Bonjour à tous, c'est le Dédalucard et aujourd'hui on se retrouve pour du Dust an Elysian Tale ou Elysian, je ne sais pas comment on dit Elysian, comment ça se dit en anglais exactement. Commençons la partie et voilà, il y a des choses qui ont changé. On peut voir que j'ai un peu plus d'or, que j'ai monté de niveau par la dernière vidéo, je suis niveau 5. Et que du coup, dans le temps de jeu, forcément, s'en est un petit peu vu augmenter, mais pour autant je ne suis absolument pas plus loin que la dernière fois, c'est à dire que je suis au même endroit. J'ai revendu quelques matériaux, il me semble que j'ai trouvé que le marchand n'avait pas, et je possède maintenant un inventaire qui me permet d'avoir un peu plus de défense, d'avoir un peu plus d'attaque, même si il y a des choses qui permettraient tout simplement devenir plus puissant encore, mais que je n'ai pas encore les moyens de construire. Mais j'ai des plans, j'ai développé pas mal de plans, et on verra si on peut arranger un peu tout ça au village avec le forgeron. Donc là, il me dit qu'il y a un trésor. Hop. Impeccable. Donc là, j'ai visité un petit peu ici, mais pas dans l'idée de faire quelque chose. J'ai pas été trop loin sans vous. Donc là, il y a. D'accord. Oui, il y a le fruit en haut que j'ai pas pris de place. Alors je vous dis pas, j'ai besoin de jouer à Dust en ce moment, le petit jeu reposant que je vais décider. Parce que actuellement, je m'étais pris un petit aquarium. Et le fait est que j'ai des chats qui ont décidé de renverser cet aquarium. Et je peux vous dire que ça a forcément pas fait du bien. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose dans cette cage, vite fais le sortir. On sait pas si c'est bien. 4 clés. Oh, d'accord. Alors je vais vous avouer un truc, regardez. Dans l'inventaire, j'avais vu la dernière fois, alors où est-ce qu'on les voit déjà? Alors oui, du coup j'ai augmenté mon attaque à fond, et là je suis en train d'augmenter Fidget, parce qu'en fait, la Tornade Dust fait des dégâts par rapport à Fidget, et ça détermine aussi la puissance de sa projectile. Donc en ce moment je suis en train d'augmenter ma puissance, on va dire, offensive à fond. Donc là, attendez, j'arrive dans quelques secondes. Ouais, donc toujours les chats qui sont incroyablement chiants en ce moment. Forcément, il fallait que j'en attrape une. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais exactement. Enfin, si, je sais ce que je voulais vous montrer. C'est plutôt, je ne sais plus où ça se trouve. Putain, un temps que j'avais des clés. C'est bien marqué quelque part, ça, le nombre de clés que j'ai. Inventaire. Ah, ici. Bah, j'en ai 4, justement. On va ouvrir ça. Rien de fait. Heureux de te retrouver. Vous avez trouvé un ami. Oh, Super Meat Boy! Ce qui vous fait gagner un bonus de santé permanent de 5%. Vous pouvez retrouver vos amis dans... Ah, j'ai pas le temps de dire... Mais c'est Super Meat Boy! Hey! Ah, c'est excellent! Putain, c'est les mêmes mecs qui ont fait ça? Ah, Super Meat Boy, un super jeu que je devais aussi vous faire en let's play, mais clairement c'est un joueur agent, donc pour le moment je le fais pas. Impeccable! Et ça m'a donné un bonus de 5% de santé, très bien.
un autre mur là. Ah, malheureusement je ne peux pas y aller. Je gâche qu'il faut une certaine capacité pour pouvoir passer. Ouais, en ce moment j'ai des chats. Mes chats sont insupportables. Je les aime beaucoup, il n'y a pas de soucis, ne vous inquiétez pas. Elles sont pas très loin d'être malheureuses. Je crois qu'elles méritent... Elles ne mériteraient pas autant de gentillesse de ma part en ce moment. Oula. Petit souci. Le ram... Ah, parce qu'il y a eu la météo. J'ai presque envie de l'enlever, la météo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Parce qu'en fait, là, si ça me fait ça à chaque fois qu'il y a un coup de météo, on s'en fout un peu. Parce que le fait est qu'en plus, comme ils m'ont fait renverser, comme ils ont renversé en fait, si vous voulez, ah voilà, comme ils ont fait renverser en fait l'aquarium, eh bien il s'avère que ça a mouillé mon clavier et mon ordi, parce que mon aquarium était à côté de mon écran d'ordi. Quelque chose là-bas. Ah, on peut s'accrocher. All right, I've got it. Wait, no. Attends, non. Ah. Having some trouble there? Yeah, I don't know. I just. Ah, you're just trying to show off. Don't worry about it. I'm sure that. Il y a moyen de grimper, on reviendra plus tard. D'accord. Même quand je vois une biche maintenant, je tape. Une biche, un daim. Looks like we're heading in the right direction. Je dirais que nous allons dans la bonne direction. Be on your guard, Dust. Reste sur tes gardes, je sens un puissant ennemi devant toi. Oula. Don't worry, Dust. I'll be behind you every step. Way behind. Je serai loin derrière. C'est quoi ce truc? It's another one of those pointu, persistent. Autant je place cette bête corrompue. Il est peut-être temps de tester la technique de la parade. Ah, effectivement. Ce serait un bon truc. Laisse-la te frapper. Hey, tu l'as étourdi. Attaque et maintiens X au moment où l'ennemi te frappe pour parer son coup et contre-attaquer. Timing is crucial. Dans la synchronisation, tu dois faire face à ton. And as you can see, a successful parry may also. Une parade réussie permet parfois d'étourdir temporairement ton ennemi. Now. Ça va être compliqué. Il va probablement en avoir une autre pour me. Ah non. I see somebody over there. Je vois quelqu'un là-bas. Direct, demande-lui si quelque chose à manger. We're in a bit of a hurry, Fidget. Don't worry, I'll feed you later. Hey, I'm not a pet, but I would appreciate that. Bonjour. Oh, hello. Oh non, bonjour. Vous m'avez surpris. Vous avez beaucoup de chance avant que je reçoive un avis. Sorry about that. It's C'est agréable finalement de voir un visage ami. So we're getting closer to the village. Alors, est-ce que vous parlez du village d'Aurora? Juste derrière ce champ à l'est. Je pense que vous arriverez juste à temps. Juste à temps, pourquoi? Comment ça? L'attaque de monstres font qu'empirer. Juste avant votre arrivée, je jurerais que j'entendais quelqu'un. She's right, Dust. I can hear somebody calling for help further down the path. D'accord, donc il y a quelqu'un qui est en train de crier à l'aide plus loin sur le champ. Let's get going. Yes, please hurry. Ok. Ah, c'est pas encore. Alors, attendez, je vais juste regarder vite fait. Hop.
je réponds juste à un petit message. Et on y va. On est tranquillou. Suivant le niveau de difficulté, les monuments de sauvegarde resteront gardés par ceux de notre santé. J'imagine que c'est en facile parce que moi je ne suis qu'en normal. Quand je suis en let's play, je mets beaucoup mes jeux en normal. S'il vous plaît, aidez-nous, des messieurs et des madames lapins. What the fuck is this shit? Don't worry, I think I can handle it. Je pense pouvoir gérer la situation. Ben, c'est parfait. Exercise all you've learned. Mais en partie tout ce que j'étais appris, Dust. Alors attendez, parce que là c'est pareil. Parce que non seulement ils l'ont fait tomber une fois, mais de nouveau ils y retournent. Parce que du coup je l'ai mis. D'accord. Bon, apparemment il a juste fallu que je fasse mine de me lever. Ah, c'est, ils sont infernaux. Alors, mets en pratique tout ce que tu as appris, Dust. Envoie ces créatures stupides dans l'autre monde. Hop. Oh, le contre! Bah voilà. Bah ben, c'était pas très dur. Il suffisait juste de faire une petite esquive. J'ai même pas utilisé les projectiles de Fidget. Attendez, ce ne sont pas les seuls! Oh, il en vient encore, my god! Oh putain! Ah! Wow! Wow, je suis très blessé. C'est bon, on les a tous eus. Ouais, je crois que ça y est. Tu as prouvé que j'ai une fine lame, ce n'est pas trop tôt. J'ai jamais eu des nids aussi forts pour le moment. Pas si terrible que ça, je pourrais en affronter 4 ou 5 autres. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Okay, ils inspectaient les champs et ces géants les ont attaqués. On a eu un tas d'ennuis avec des bêtes de plus petite taille, mais c'est la première fois qu'un géant s'approche de toi. Je veux savoir. Le village est droit devant. Je n'ai pas encore eu de révélation à ce propos, mais des gens ces gens sont en sécurité, c'est ce qui est important. Ça va aller tous les deux? Ouais, il faut juste que je m'en pose un peu. Je ne sais pas trop comment tu débrouilles, mais tu as terrassé ces trois géants tout seul. Pas de soucis, c'est notre métier de défendre les faibles et les opprimés. Oui, enfin, métier. Je vous avoue que quand ils m'ont coincé dans le coin. Qu'est-ce que tu traites de faire? Il me reste un PV. Putain de PV. Ah bah du coup d'accord. Donc si j'appuie sur LB, c'est un raccourci pour me donner de la vie. Tiens, ça, je ne le savais pas. On va pas se servir de ça, on va se servir de ce qui nous... Non. Ça. Manger. D'accord. Ça suffira pour nous. On a mangé. Mais il y a un point de sauvegarde plus loin, je pense. Finalement, les effets météorologiques, il y en a quand même, regardez. Moi, ce que je pense que ce que j'ai désactivé, c'est quand il pleut, le fou, tout ça. Du coup, ça fait un jeu beaucoup plus fluide. Pourquoi il y avait des deux cœurs. Chapitre 1, la destinée. Ah d'accord, c'est en plusieurs petits chapitres. Impeccable. Je me suis dit, tiens, je vais lancer Dust pour penser à autre chose que mes poissons, parce que du coup je les ai retrouvés un peu en dehors de l'eau et autres. Et au final, je vous avoue que j'arrête pas de regarder mon aquarium. Ouh là 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 là! Ne bougez pas là-bas. Ouh, il a une bonne tête de grenouille. Ils sont partis. Je n'entends rien. D'accord, il parle souvent de monstres. Si vous référez aux giants, j'ai pris soin d'eux. Il parlait des géants, d'accord. Yep. Tout à fait mort, il ne faisait pas le poids face à nous. Il y a un couple d'anciens là-bas qui pourraient avoir besoin d'aide. Oui, effectivement. Oneida et son mari Gihan. Nous allons envoyer de l'aide.
Je ne prétends pas être arrivé au bon moment. Je suis arrivé au bon moment. I suppose. Je suppose. Il est pas mal notre héros quand même. Il a une bonne tête. Enfin, ça fait une bonne tête mystérieuse. Ça donne un petit côté japonais, vous voyez. On voit pas ses yeux. Ça, c'est simple. Moi, j'aime bien les persos comme ça, un peu badass. Ça leur donne une petite posture. Coïncidence intéressante. Pourquoi on aurait quelque chose à voir avec cette attaque? Whoa, whoa, take it easy. I have to apologize for my big friend Calum here. We're just a little over. What's been happening here? I guess you missed the endless horde. Défiler incessant de hordes de monstres assoiffés de sang. They used to stay in the mountains, away from the village. Now they're attacking us on a daily basis. Nala, Nala, tu veux que je me lève et que je t'en mette une? Ou comment ça se passe? Très autour de l'aquarium. Alors, d'habitude, il restait dans les montagnes. Moi, j'ai pas besoin de les attaquer tous les jours, très bien. C'est bizarre, ça. Personne n'a été blessé pour le moment. Au moins, jusqu'à aujourd'hui, ces gens approchent de la ferme de Neida. Les choses sont bien pires qu'on imagine. Bah, si les monstres de base restaient loin dans la montagne et que les géants sont encore plus loin dans la montagne, effectivement. Speaking of which, where exactly do you come from? Il n'y a rien à l'ouest d'ici, sauf cette vieille folle de Korra. D'où venez-vous? Bah moi j'ai encore plus de l'ouest par rapport à Korra. We're prospectors. We are prospectors. And we're out on... D'accord, nous sommes prospecteurs. De minerais, l'or, l'argent, la manganie. D'accord. Prospectors, eh? You're certainly well armed. Les montagnes ne sont pas sûres, vous le dites. Voilà. Ça, ça me fera toujours délirer ce genre de truc. Le mec il dit, eh, vous êtes plutôt bien armés pour être des prospecteurs pour aller chercher de l'or dans la montagne. Et juste avant, les mecs te disent que les monstres, ils n'étaient que dans la montagne. Bah, si je vais dans la montagne prospecter, c'est logique que j'ai une arme dans ce cas-là. Parce qu'il faut bien que je m'occupe des monstres qui n'habitent que là-bas, apparemment. Comme vous l'avez dit, il y a pas mal de monstres par ici. Merci. Well, we're indebted to you either way. On vous donne une chère chandelle, alors passez. Mais je vous ai avec les deux. Oui, bah oui, c'est ça. Please, soupçonne-moi. Make yourselves at home. Faites comme chez vous, je m'appelle Bean, Mr. Bean. Il n'y a pas grand chose ici. Mais on a un marchand si vous avez des fournitures. Et je cherche un forgeron. Donc, pourquoi pas. Thank you. Merci, on va y aller alors. Attendez, je reviens. Parce qu'il y en a une qui va se prendre. Hop! Bah ça, de toute façon, c'est clairement le let's play. Le let's play tranquillou, hein. C'est qu'à chaque fois qu'il va y avoir un souci, je vais devoir arrêter le let's play et qu'il n'y aura pas de pause entre guillemets. Prospectors, fidgets, that was the best thing you could come up with. Comme c'est le let's play tranquillou, où forcément je vais pas faire de montage ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour me détendre. Je vois pas trop ce que tu lui reproches. T'as pas franchement trouvé mieux. Oui, all right, Aura. Where to now? You're right where you need to be. The answers to your identity lie. Ah, d'accord, on peut savoir qui on est dans ce village. I know this place, and that's for certain. I'm sure I've been here before, but nobody seems to recognize me. Il est sûr d'être venu ici, mais personne ne semble le reconnaître. Étant donné que tu étais un guerrier avant, Dust, et que tu faisais la guerre, c'est possible que tu ne sois venu dans ce village que tu en turn do not recognize them. Yet I feel there is something here that may yet trigger. D'accord, nous non plus on les reconnaît pas de toute façon. Maybe we should look around for a bit then? If you really have been here before. Quelqu'un me reconnaîtra si je suis déjà venu, mais oui, forcément. Bonne idée, Fidget. T'as dans la rencontre de ses habitants, je suis sûr que la suite de ta requête sera. Very well. But something. Comme le calme avant la tempête. Effectivement, surtout s'il le répète tous les jours. Moi ce qui m'étonne c'est qu'en fait, bah lui bon. Mais le vieux là,
n'y a pas de raison qu'ils ne me connaissent pas. Vous voyez pourquoi? Je veux dire, c'est une personne âgée qui a peut-être tendance justement à connaître tout le monde dans le village. J'ai toujours envie de voir un nouveau visage, même si le tien est entièrement caché. Ah oui, bah, c'est vrai que pour qu'on soit reconnu, il faudrait peut-être effectivement qu'on montre son visage. Indeed. Well, my name is Dust, and this is Fidget. Hiya. T'inquiète pas pour Monsieur Grognon. Monsieur Grognon. Fidget and Dust, eh? Not from around here, are you? Well, neither was I originally. But alors l'endroit est sympa, conscient de pas être pressé. Pourquoi? Ah, where are my manners? I'm Augustin. Je me demande pourquoi je suis Augustin, le costaud du coin. You wanna arm wrestle? Tu veux faire un bras de fer? Quoi? Some other time, perhaps. What the fuck? Just passing through. Oh, that's a shame. Dommage, je te voyais bien du genre bras de fer. You know, I heard what you did back there for Oneida. Great. On peut peut-être céder. Maybe. What did you have in mind? I have an old friend. J'ai un vieil ami, un forgeron. Il vivait un peu plus loin au sommet du col des archers. Oh, ça m'arrangerait un forgeron. I promised I'd deliver some materials. Faut lui ramener des matériaux, mais ça fait un bail qu'il est pas allé là-bas. Le point est assez dangereux. Area's pretty down. Tell you what, if you help me out, I'll give you this blueprint. If you give it to him along with these spare materials, he'll set you on your way right quick. D'accord. A smith that can craft items from blueprints? I think I'll take you up on that, Augustin. Ça nous arrange. Échange de bons procédés. Well, that's great. I knew I could count on you. When you see him, just tell him that old Augustin says hello. Augustin, c'est ça? C'est pas Augustin? Augustin, d'accord. Il n'y a pas de souci. J'irai l'aider. Guillaume, on va parler à tout le monde. Jess? Yes. Oh, comment il me snob! Good morning. Is it though? I guess. Le mec pas chiant. Yes, it's wonderful. Well, perhaps you can guess that I really don't want to talk such dream. Wow, le mec! Bonjour, j'en ai rien à foutre. Casse-toi. Ok. Ok, il y a un trésor ici. Bonjour. Hello. Bonjour, je crois ne vous avoir jamais rencontré. Tu serais pas de la famille des fermiers lapins? Mais qu'est-ce que c'est que ce racisme? C'est une discrimination. Pourquoi est-ce que forcément, vu que je suis un lapin, je dois être... Bon, d'accord, oui, c'est vrai, je suis le 16e de la portée. We just came in from the west. Quand on vient d'arriver de l'ouest. Oh, so you're the one everyone is talking about. Hey, tu es celui dont tout le monde parle. Nous n'avons pas de téléphone portable. Mais en fait, quand tu t'es pointé à l'entrée du village, eh bien en fait, tout le monde, tout d'un coup, a dit « Hey, t'as vu le mec là-bas ?» Everyone's talking. Pourquoi tout le monde parle de moi, tu vois? Of course. You're the ah, j'ai sauvé Oneida, oui. Je m'appelle Mosca, je suis à ton service. Si tu as besoin de quelque chose, fais-moi signe. Say, are you, est-ce que je vais rester longtemps? Je ne sais pas. I don't know. Why do you ask? Well, if you ever find yourself heading east of the village, oui. They're far from safe. The town guards mentioned that monsters have been attacking all sides of the village. Ils vont s'attaquer de toutes parts du village. Je veux bien aller voir. Here's my problem. I've been meaning to visit someone in Denham. I imagine this someone is pretty important to you. Well, yeah. See. Ah, ta petite copine. Il va aller voir sa petite copine. She's worth the danger. Oh, she is. She definitely. Je veux juste m'assurer qu'elle va bien avec tous ces monstres qui rôdent. En plus, on a aucune nouvelle de Denham. Ah, effectivement. With all these monsters around, there's been no word from Denham at all. Ouais, je comprends. Mosca, if my travels take me there, I'll let her know you're thinking about her. Oh. Thank you so much. Bah t'as l'air super sympa et tout, donc clairement je veux bien t'aider. Niveau augmenté. Juste en parlant avec un mec. Alors on va augmenter de niveau et on arrêtera notre vidéo là. Après avoir trouvé un coin de sauvegarde. Alors on va augmenter la défense, ça sert quoi en fait? L'aptitude défensive de base des news. Je sais à quoi sert la défense, vous inquiétez pas, mais vous avez compris. Confirmer amélioration. Une nouvelle région a été révélée. En deux secondes, j'ai cru lire religion. Ah, d'accord, sympa, on peut aller en bas et en... Si on va en bas, il y a quoi? Oh! Il y a un coffre.
Mais je n'ai plus du tout de... Toi, tu es parfaite. Thanks. Not you. Listen. Do you hear it? Can you hear its whispers locked within? Oula, il a l'air bizarre lui. I don't hear anything. Well, of course you don't. J'ai perdu ma boîte. Quelqu'un de lui, c'est peut-être ce Mosca. Il défend toujours le regard en ma présence. C'est quelque chose à cacher. Probably his distaste for your nuttiness. I can hear its whispers coming from below. Down, deep down in the earth. If you're ever down there, please. Okay, Reed. If I find your box under. Si je trouve ta boîte sous terre. Il veut parler de celle-là, j'imagine. On verra ce que dit les. Salut. Well, hello. Bonjour. You're a quiet one. Tu es du genre silencieux? Oui. Dust, manners. You'll have to excuse him. Faut l'excuser, il a sauvé le village, du coup. You know. Comment Fidget, elle m'arrange le coup, tu sais. Yes, I heard something about that. Ah. Ah, yes. Honestly, it doesn't matter. Franchement, ça sert à rien, il va dans... Voilà, défaitiste. Franchement, ça sert à rien d'avoir sauvé le village. De toute façon, ils reviendront. Elle, bah, coupe-toi les veines, hein. Pas de soucis. Je pourrais rester ici pour toujours, si j'avais une raison de rester. On n'y peut rien, excusez-moi. D'accord, bon bah... la déprime. Elle a l'air joyeuse, ouais, c'est clair. Je n'aurais pas été un contre un peu de gratitude, quelle sacrosse. Oh le mec, même pas il est modeste. Elle est déprimée, c'est clair, c'est normal. Elle s'en fout qu'on la sauve, puisque de toute façon, dès qu'on va partir, voilà quoi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Peut-être qu'à la base c'était quelqu'un de super présent. C'est peut-être ta personnalité qui ressort, hein, Dust. Il y a un trésor ici. Mais il y a un forgeron, il y a un point de sauvegarde. Il y a une échoppe, tiens. Ah, notre célèbre sauveur, j'espérais bien que tu viendrais. Bienvenue dans mon humble shop. Je vends des tapis magiques. Alors, je peux en voir en illimité de quoi rendre ma vie. Oh, quelque chose qui est contre-poison. Pour l'instant, j'ai pas grand chose de. Ah, j'ai. Allez, j'achète cette clé. Parce que j'en ai besoin. Passons au mode vente. Nous allons vendre la roche de géant. Et le noyau de géant. Qui ne sont pas des ingrédients, des matériaux que possédaient les échoppes avant. Maintenant, je vais bien checker. Donc, on est à presque une vingtaine en fait de clous. Le tissu 19, 17, 15. Ouais. Alors, on va partir de 15. Et on sait que, en gros, tous les deux, ça augmente de 2. Donc 15, 16, 17, 18, 19. En fait, ce que j'ai envie de savoir, c'est que quand les échoppes sont réapprovisionnées, est-ce que ça augmente du coup le nombre de matériaux? De toute façon, techniquement, on peut regarder si là c'est non disponible. En mode achat. Alors on peut regarder si ça, ça augmente. J'ai envie de savoir si c'est ça en fait. Ta venue nous a honorés. Parle de l'échoppe à tes amis. Surtout les riches. Bah oui, parce que... Eh oui, Jamy, les pauvres. Yes. C'est le seul vendeur, en fait, de la ville apparemment. Et en fait, les pauvres, eh ben ils ont pas le droit d'acheter les pommes et tout pour se nourrir. Alors que c'est le seul endroit où ils peuvent en acheter. Eh oui. La nourriture, à quoi ça sert? Là, c'est peut-être là la boîte. Non, c'est là où on sauvegarde. Oh,
Note ajoutée. Qu'est-ce que c'est, une cage? Quoi que ce soit, ça fait un de ces boucans. Parfois, j'entends des mots comme gros et betterave. Qu'est-ce que ça signifie? Je la cacherai dans les grottes d'horreur, je sais que je trouve les clés dont j'ai besoin. Je dois juste me rappeler de sauter aussi loin que possible à droite. Dans les grottes d'horreur. Alors, on pourrait sauvegarder ici, je suis tout à fait d'accord. Mais je suis trop curieux, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dans la boîte. Donc je vais aller dans la boîte. On va aller checker ça. Dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Dans la boîte. C'est parti. Hop, 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 hop là. Beaucoup d'argent. C'est tout ce qu'il y a? C'est tout? J'ai ouvert pour de la bouffe et un peu d'or. J'ai ouvert ta boîte, je crois. Oh, my box. J'ai pas trouvé sa boîte. Bon, bon, bon. Bon, bah, je suis dégoûté. Je m'attendais vraiment à... Enfin, vous vous rendez compte que j'ai acheté une clé 3000 pour finalement gagner quoi, 1000. Bon, probablement que ce qu'il y avait dedans était plus cher, mais... Un petit peu dégoûté. Alors, sauvegardons la partie. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à plus.